Par le nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète ainsi que sur sa sainte famille, et que la malédiction tombe toujours sur leurs ennemis et usurpateurs. La science des lettres, qui inclut le nombre des lettres, surtout quand il s'agit d'une langue sémitique. Et toute langue sémitique ou sémite, elle a en fait un rapport avec le chiffre, car toutes les lettres des alphabets, que ce soit arabe, hébreu, araméen, araménien, la langue de Jésus, et syriaque, comporte des chiffres. Cette science est sortie, bien entendu, de Ahlul Bayt, alayhi salatu wa salam, que la paix soit sur eux tous, et qui intéressait les juifs et les chrétiens qui vivaient à Médine, les chrétiens qui vivaient aussi à la Mecque. Voilà un hadith qui prouve que nous avons ce que les autres appellent le irfan, cette science occulte, ce mystère, cette espèce de mysticisme dans la profondeur de la psychologie, du profondeur de la divination, c'est enraciné dans notre religion. Le problème, c'est que il a été, pareil, falsifié comme toutes les religions, comme toute science. Il a été modifié. Les sophistes ont eu la part du lion par rapport aux musulmans, car eux, ils étaient en contact avec les imams, alayhimus salam, sans être vraiment des chiites, mais juste pour apprendre cette science-là qui les intéresse. Et après, ils ont fait leur melting pot, leur petite salade avec tout ce qu'ils ont ramassé de droite à gauche. Les chrétiens, les juifs, les autres religions, cette science a été connue, mais personne ne connaissait le secret et comment y arriver à manipuler les lettres et c'est quoi en fait l'interprétation des lettres jusqu'à l'arrivée de Mohammed ou Ali Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Ce hadith nous vient donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Yazid ibn al-Hassan. Il raconte, et voilà, regardez la chaîne de transmission. Il dit, Moussa, fils de Ja'far, m'a narré ceci de son père Ja'far, fils de Mohammed, de son père Mohammed, fils de Ali, de son père Ali, fils de Hussein, de son père Al-Hussein, fils de Ali, il a dit. Donc c'est Al-Hussein, salawatullahi alayhi, qui dit. Un jour, un juif est venu voir le prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui était avec, qui entretenu avec l'émir des croyants, Ali, fils de Abi Talib, que la paix soit sur eux. Il dit, donc le juif pose la question, à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est quoi la science derrière les lettres
de l'alphabet arabe. Ou c'est quoi le bienfait que nous pouvons retirer des lettres de l'alphabet arabe? Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le messager de Dieu, a dit à Ali, en fait, il l'a pas donc répondu, il a dit à l'imam Ali, alayhi salam, qu'on appelle ça sur lui, réponds-lui. Voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a ordonné, a donné un ordre prophétique. La prophétie qui donne un ordre à l'imama, la prophétie, l'imama aussi, qui donne un ordre à l'imama, donc le début de l'imama, le premier des imams, pour répondre à cette question. Un honneur que le prophète a donné à l'imam Ali, alayhi salam. Normalement, quand le prophète, le grand imam, prophète, il est là, l'imam, il faut qu'il soit silencieux. Comme l'imam Hassan, alayhi salam, était silencieux au temps de son père. Ainsi que l'imam Hussein, salawatullah alayhi, ainsi que tous les imams. Il ne convient pas à deux imams de parler en même temps. C'est-à-dire de parler et de prendre les relais ou de expliquer aux gens toute leur religion. Il faut qu'il, par respect, l'imam, il se tait par rapport au grand imam. Mais ici, une exception. L'imam Ali de répondre, fils de Abi Talib, que la paix soit sur eux. Il n'y a pas de lettres, sauf, c'est-à-dire il n'y a pas de lettres qui ne signifie pas un nom parmi les noms, les très beaux noms de Dieu, le très exalté. Après, il a dit, donc ici nous parlons de l'alphabet arabe, donc alif, la, alif, ba, ta, ainsi de suite, les 28 lettres arabes. Alif, il dit, en ce qui concerne le alif et les dieux, c'est-à-dire le alif, il symbolise Dieu lui-même, c'est-à-dire Allah, qui n'y a pas de Dieu sauf lui, le vivant, celui qui existe par lui-même. Al-Hayyul Qayyum. En ce qui concerne le ba, elle est celui qui perdure. Baqin. Perdure. Après l'anéantissement de sa créature. Celui qui persiste, qui reste, qui périne, qui dure, qui est éternel et qui. C'est-à-dire qui existera pour toujours après la disparition, l'anéantissement, l'annihilation de toute la création. En ce qui concerne le ta, il est le répondant, comme en arabe, le tawab, le répondant, celui qui accepte la repentance de ses serviteurs. En ce qui concerne le fa, il est le thabit, c'est-à-dire il est celui qui fixe dans la vérité. Elle est le pôle, c'est-à-dire elle est la référence à toute chose. Elle est la matrice, elle est le centre. C'est ça ce que ça veut dire, thabit. Al-Ka'in, c'est-à-dire celui qui existe vraiment. Et là, il cite, l'imam Ali alayhi salam, il cite le verset Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah, il affirme ceux qui croient par la parole juste, ou la parole fixe, ou la parole sacrée. En ce qui concerne le jim, que son nom soit sanctifié, que ses noms, ses saints noms soient sanctifiés, et que son louange soit extollé. Jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu. En ce qui concerne le ha,
Il est la vérité, le vivant, celui qui possède une mansuétude. En ce qui concerne le Ra, il est celui qui connaît, Khabir, expert, il est celui qui est la source de tout savoir, connu ou inconnu. Il connaît ce que ses serviteurs font comme œuvre. Celui Adal, c'est-à-dire celui qui va demander des comptes le jour des comptes. C'est celui qui va demander des comptes le jour du compte. En ce qui concerne le Dhal, c'est celui qui possède la gloire et l'épiphanie. Al-Jalal wa al-Ikram. En ce qui concerne le Ra, c'est lui le doux. Affectionneux avec ses serviteurs. En ce qui concerne le Zi ou le Zai, le Z, c'est la beauté, ou c'est le plus beau de ce qu'on adore, on va dire ça. En ce qui concerne le Sin, il est celui qui est tout ouïe et tout œil, ou toute vision, ou qui voit tout. En ce qui concerne le Chine, il est celui qui remercie ses serviteurs croyants. Allahu Akbar. En ce qui concerne le Sad, et ici, il y a une énigme. Là, le Sad, c'est-à-dire presque tout ce qu'on a cité comme lettres, c'est des noms de Dieu, presque des noms de Dieu. Nous savons que les noms de Dieu sont les imams eux-mêmes, sont Ahlul Bayt eux-mêmes, alayhumus salatu wassalam. En ce qui concerne le Sad, ici, il y a une énigme. En fait, ça ne veut pas dire un nom sacré de Dieu. Il dit le Sad, c'est Sad. Sad, c'est-à-dire quelqu'un qui a pêché quelque chose d'une rivière. En fait, ça vient de Saïd. La pêche. Et ici, il dit Sad, c'est comme si il y a comment dire, une piège dans ce que nous, ou Sad, c'est-à-dire il a pêché le bon et après il a laissé le reste, comme ça, quelque chose comme ça. Il dit le Sad, c'est dans ce que Dieu a promis et ce que Dieu a menacé. Bon, dans la promesse de Dieu et dans la menace de Dieu, il y a un sad. Ce sad-là, nous pensons que le sad, normalement, ça veut dire en arabe pêcher, quelqu'un qui pêche quelque chose. Sad, dans le passé. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une épreuve. Une épreuve, il y a aussi des pièges dans la promesse de Dieu, et aussi Makrullah, comme nous vous avons dit, Makrullah, c'est-à-dire celui qui aussi s'est comploté contre ses ennemis. Donc ce Makr, ces pièges-là, il est dans la promesse de Dieu aussi, et aussi il est dans la menace de Dieu. C'est-à-dire quoi? Elle est dans la promesse de Dieu. C'est-à-dire que même les croyants ou ceux qui prétendent être croyants, comme les Sophies par exemple, ils peuvent tomber dans une piège, c'est-à-dire une piège dans leur foi. C'est-à-dire ils pensent qu'ils sont dans le irfan et dans la meilleure connaissance et la gnose de Dieu, mais en fait, c'est juste une piège, ce que nous appelons en arabe stidraj. C'est juste une piège pour eux. En pensant qu'ils font du bien, mais le jour de la résurrection, ils vont découvrir en fait le contraire. Nous continuons. En ce qui concerne le dad, et la langue arabe est la langue de dad. Cette lettre n'existe ni en araméen, ni en syriaque. Ça n'existe qu'en arabe. C'est pour ça que ça s'appelle la langue du dad. Amma dad, en ce qui concerne le dad, c'est celui qui peut faire du bien.
Non, elle peut faire du mal et aussi du bien. C'est-à-dire, là, c'est pas des opposés contraires. Hein. Il faut pas aller jusqu'à l'opposé contraire, c'est complémentaire. Ad-Darr Nafi', c'est deux noms de Dieu. Celui qui peut causer le mal, c'est-à-dire de l'estomac, le mal de la tête, le mal, c'est ça en fait. Ou le mal dans ta vie, ou le mal dans ta foi, la mal dans ton esprit. Il peut causer ce mal. C'est-à-dire même en fait, les psychédéliques et tout ça, ou les, comment on appelle ça, ceux qui ont une maladie mentale, les schizophréniques, les épilepsies, tout ça, mais ça vient aussi, et il est le dar, c'est par sa permission que ça arrive. Peut-être ça arrive à travers le diable, mais c'est avec sa permission. C'est là où il dit, c'est moi qui, en fait, la source de tout ça. Tout ce qui fait mal et aussi tout ce qui fait bien. Vous mangez un médicament, ça vous fait de bien. Eh bien, ça, c'est Dieu, en fait. Ce n'est pas le médicament. C'est parce que le médicament est là en lui, cette vertu que Dieu lui a mis dedans. Donc, en ce qui concerne le ta, le thé, il est le pur et celui qui rend pur, qui purifie. Et qui est pur aussi. En ce qui concerne le voir, c'est celui qui est apparent, c'est-à-dire celui qui est, comment dire, on ne peut pas dire visible, hein? Daher, c'est-à-dire celui qui est apparent, qui a fait apparaître tout ça, en fait, celui qui a fait apparaître ces signes et ces symboles. Le Aïn, en ce qui concerne le Aïn, comme Ali, il est celui qui connaît ses serviteurs, c'est-à-dire qu'il les connaît une connaissance complète. Le Rain, c'est celui qui sauve, Riyath, Raouf, celui qui sauve celui qui a besoin et dans l'urgence. Le Fa, c'est celui qui a fondu la graine et le noyau. Et ça, c'est l'imam Ali alayhi salam, il avait l'habitude de jurer par ce nom. Le Qaf, et c'est celui qui est puissant sur toute chose, sur toute sa création. Et en ce qui concerne le Qaf, il est celui qui suffit, car il n'y avait pas un son comparable, c'est-à-dire nothing compares. Rien ne lui compare, rien ne lui ressemble. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Personne n'a pu être à sa hauteur ou à sa ressemblance ou atteint Dieu. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. En ce qui concerne le lame, il est doux avec sa créature. Aussi, le mot latif, ça veut dire aussi il est subtil. Il est subtil avec sa créature. En ce qui concerne le mime, comme Mohammed, il est le possédeur, c'est-à-dire le roi du royaume. Il est le roi du royaume. En ce qui concerne le noun, il est la lumière des cieux et de la terre qui provient de la lumière de son trône. En ce qui concerne le Waou, elle est le 1, Samad, c'est-à-dire le maître par excellence, le grand gourou, comme ils disent les Sikhs, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. En ce qui concerne le H, il est le guide, celui qui guide vraiment sa créature. En ce qui concerne le lam, et là il dit en ce qui concerne le lam, 1000. Et là on comprend que le lam, son nombre est 1000. Il dit en ce qui concerne le lam, elle est 1000. C'est-à-dire 1000 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a pas de divinité sauf Dieu, l'unique. Il n'a pas d'associé. En ce qui concerne le ya, le dernier, donc le 28e lettre,
Il est la main de Dieu étendue sur sa création, c'est-à-dire la providence. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il dit, voilà la parole que Dieu a agréée pour lui, qu'il soit magnifié pour lui-même, de toute sa création. C'est-à-dire que l'imam Ali alayhi salam, il a dit exactement ce que le prophète a pu dire. Vous avez compris? L'imam Ali ici, il parlait comme si c'est le prophète lui-même, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il parlait. Car le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, il a dit, et c'est exactement, c'est-à-dire, on parle des lettres là, et bien, même au niveau de la lettre, exactement ce que Dieu, il a dit, a voulu qu'on dise sur lui. C'est-à-dire qu'il a agréé comme explication de lui. C'était magnifique et ça fait que le juif en question, l'anonyme, là, dans cette histoire, il a été, donc, il a embrassé, hein, pour ne pas dire convertir, c'est plus doux et c'est plus même, c'est plus joli, il a embrassé l'islam grâce à la parole sacrée de l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.